terminé. On ramasse les feuilles, on les donne à Marc-Antoine et à Corinne. Allez, allez, on remet les feuilles. On remet la feuille. Voilà. Alors, les bonnes réponses étaient 1 et 7, 5 et 8, 3 et 4, et le 2 et le 6 n'avaient pas de correspondance. Si vous êtes proche de ça, tant mieux, ça vous a fait des points. Corinne, est-ce qu'on va faire maintenant amérindien, glace, couleur, combien ou embarcation? Amérindien. Amérindien, bien allons-y avec une série collective. Tout le monde joue. De quel matériau était fait leur canot? Jade. De bois. Précise. D'écorce. Ouais, non, oui, oui. D'écorce, de bouleau, correct. Deuxième. Quelle plante, oui, c'est bon. Quelle plante était à la base de leur alimentation? C'était le maïs. Quel nom les poteaux sculptés par les Amérindiens portent-ils? Pour Marc-Antoine? Totem. Totem, exact. Quelle sorte de matériel les Amérindiens utilisaient-ils pour confectionner leurs vêtements? C'était du cuir ou des peaux d'animaux. Là, tout le monde, tout à l'heure, vous avez eu 80 points, hein? Félicitations dans le jeu, les deux équipes. Pas de problème, ça va bien. Marc-Antoine, est-ce qu'on fait glace, couleur, embarcation ou combien? Glace. Glace. Collective encore. De quoi est formée la glace? Pour Dominique. D'eau gelée. De l'eau gelée, exact. Quel autre sens peut avoir le mot glace? Pour Philippe-Olivier. Eau. Non, réplique. Mégane, attend d'être nommée, mais c'est pas glaçon non plus. Ça peut être un miroir ou de la crème glacée, qu'on appelle glace. 3. Comment appelle-t-on un énorme bloc de glace à la dérive? Jade. Iceberg. Iceberg, c'est bon. Et 4. Nomme deux sports qu'on pratique sur la glace. Pour Philippe-Olivier. Hockey, patin. Hockey et patinage, c'est bon. C'est très, très bon. Corinne, pardon, est-ce qu'on fait couleur, embarcation ou combien? Chassé-croisé. Donc, Marc-Antoine et Jade, première question juste pour vous deux. Quelle est la couleur intermédiaire entre le blanc et le noir? Jade. Gris. Gris, c'est bon. Pour Marjorie et Dominique. Dans la culture occidentale, quelle couleur représente le deuil? C'est le noir. Mégane et Philippe-Olivier. Quelle est la couleur de l'oiseau nommé cardinal? Philippe-Olivier. Gris. C'est pas gris. Réplique. Bleu. Il n'est pas bleu non plus, il est rouge. Et Christina et Corinne, quelle couleur utilise-t-on pour représenter une étendue d'eau sur une carte géographique? Christina. Bleu. Bleu, c'est bon. On est rendu à Marc-Antoine qui choisit entre combien ou embarcation. Embarcation. Pardon. Oh, j'ai un chat dans la gorge. Embarcation, ce sont des anagrammes. On prend un crayon et un papier. Je vous mélange des lettres et on tient la manette pas trop loin, hein, parce que ça va aller vite. A, N, I, V, E, R. C'est tout. Marc-Antoine. Navire. Navire, c'est bon. Le prochain. A, A, Y, K, K, c'est tout. Dominique. Kayak. Kayak, c'est bon. Le prochain. A, C, T, O, N, c'est tout. Dominique. Cano. Cano, oui. Et le dernier. A, H, C, O, U, P, L, E. C'est tout. Mégane. Chaloupe. Chaloupe, c'est bon. Et il reste un thème, c'est combien? Et on va terminer avec ça. Tout le monde joue.
Combien de personnes y a-t-il dans un trio? Jade? Trois. Trois, c'est bon. Combien de temps la Terre prend-elle pour faire le tour complet sur elle-même? Christina? 24 heures. 24 heures, c'est bon. Combien faut-il de centimètres pour faire un mètre? Oui, Dominique? 100. 100. Et combien y a-t-il de dizaines dans 237? Pour Philippe-Olivier? 237. Non, réplique. Pour Christina? 23. 23, c'est bon. Et ça met un terme à notre match. Oui, on a fini. Félicitations les joueurs, vous avez bien joué. Et on va vous donner le pointage officiel dans quelques instants. J'espère que chez vous, vous avez été aussi bon. 170 pour Malartic, 210 pour Évin. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo.